Démontrer des mensonges, des foutaises, y'a plus personne d'honnête. On joue la game, on veut juste bien paraître. Mais avec moi, il faut faire mieux parce que je vois clair dans ton petit jeu. Bullshit. Bullshit. Bonjour, mon nom est Olivier Martineau et bienvenue à Bullshit. Tout le monde bullshit, c'est correct, mais pourquoi est-ce qu'on le fait? La plupart du temps, c'est pour obtenir quelque chose que l'on veut ou ce dont on a envie. Aujourd'hui, j'ai mal aux émotions. Sur une échelle de 1 à 10, mon moral est à peu près à 4. Désolé, il ne reste plus de lait. 3. On a juste de la crème. 2. Hé, 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 hé! 1. Lui, c'est Sylvain. Un de mes amis. Toujours sur le 220, mais ça fait pas de lui de lumière. C'est un irritant naturel. Ça va? Ah, oh, ouais, à ce point-là. Ouais. Y a-tu quelque chose que je peux faire? De l'air. Arrête. Qu'est-ce que je peux faire pour mon petit Olivier, là? Un gin tonic. Ah, bien sûr. Sérieux? Ok, il m'a pris un rum and coke. Arrête, là. Mais je suis là pour toi, mon chum. Ouais, si t'étais vraiment là pour moi, mon chum, si tu à table, il y aurait un gin tonic. Non, 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 oublie ça. L'alcool, c'est pas une solution, là. Hey, moi, tu lis ton horoscope. Tu sais bien, je crois pas à ça, l'horoscope. T'es quoi, déjà? Déprimé. Non, je veux dire, t'es quel signe? Tiens, ça, c'est un signe. Sans lit, sans la menthe, j'ai mis ma gomme dedans. Cancer. Cancer. Ah, voilà, voilà. Le contact des autres vous ferait du bien. Hein? Le contact des autres, c'est moi, ça? OK. Votre optimisme est contagieux. Ouais, je sais, je mets une petite crème qui chauffe pour ça. Vous tournez un peu en rond. C'est sûr, t'as-tu vu le parking site avec les cons de la construction? Dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Il est cher en plus, ce maudit parking-là. Je suis rendu qu'il faut que j'en emprunte pour me stationner. Pourquoi ne pas vous attaquer à ces corvées ménagères qui vous attendent? En quoi faire le ménage chez nous me remonterait le moral, à part si je trouve 100$ décachées dans une craque de sofa? Ouais, j'avoue que ça serait pas pire. Ah, il est conseillé de rester souple dans les temps les plus difficiles. J'arrive même pas à attacher mes souliers. Vous faites de l'exercice. Je viens de te dire, j'arrive pas à attacher mes souliers. Ah, finalement, pour l'être aimé... Ma blonde m'a laissé. Ah ouais, je le sais, mais mettons. Mettons quoi? Mettons que vous êtes revenus ensemble. Fait qu'il faudrait que je retourne avec mon ex pour que ton horoscope de journal de mort fasse du sens. C'est quoi la prochaine bonne idée que j'aille déterrer mon père pour avoir la conversation que j'ai jamais eue avec? Et moi, non, ça au journal. Et finalement, un ami proche comprendra que vous avez besoin d'espace pour respirer et vous laissera finalement tranquille. Bullshit! Finalement, un ami très proche comprendra que vous avez besoin d'espace pour respirer et vous laissera tranquille. Hein? Finalement, c'est pas si bullshit que ça, ton horoscope. Bullshit! Sylvain, ton signe. Sylvain.